Salut bande de chips! Bon, je vous fais une petite mise à jour un petit peu à l'arrache directement du smartphone vers YouTube sur l'avancée de la toiture de la grange. Donc, après 3 semaines de travail, voilà où j'en suis. Donc, une bonne partie des tuiles a été remise, mais pas toutes. Les puits de jour sont faits et fonctionnent parfaitement. Il y a une petite pluie, j'ai pas eu de fuite. Et voilà, grosso modo, ce qui reste à faire, c'est donc poser les dernières tuiles qui sont ici. Faire les rives de toiture comme j'ai déjà commencé à faire là, donc au mortier et avec des barres de lit. Ça prend un peu de temps. Faire le faîtage et faire la jonction avec l'avancée en tuile qui est devant l'entrée. Voilà, là on est sur le toit et vous pouvez voir donc les puits de jour. Donc j'ai fait entièrement en polycarbonate, je voulais faire ça en verre, mais j'ai eu des problèmes de délai et puis vu comme le toit est tordu. Le polycarbonate était plus facile. Ici, vous pouvez voir les fameux lithos coupés par Alan Peterson, qui a battu le record du monde de découpe de lithos à la tronçonneuse, comme vous pouvez le savoir. Ici, donc, la fameuse jonction avec l'avancée en tuile qui est pas terrible. Et de l'autre côté, le pan de toiture qui est quasiment fini. Faut aussi refaire tout le faîtage, je vais m'amuser. Parce que maintenant, il faut marcher sur les tuiles et c'est un peu cassant la tuile canal. Point de vue tuile, justement, je réutilise que les anciennes tuiles. Il va m'en manquer un peu. Du coup, il va falloir que j'aille en acheter, mais je vais chercher des tuiles anciennes pour garder l'état d'esprit du bâtiment. Et voilà, moi je trouve ça super joli. Voilà. Voilà, et vu de l'intérieur, donc les puits de jour, bon bah voilà, c'est juste magique quoi. On voit tellement bien, et là il est 7h40 du matin. Je fais cette vidéo avant de partir travailler. Parce que oui, les vacances sont finies. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit bien les vieilles voliges en dessous. Et les nouvelles voliges au-dessus. L'isolation, mais ça change tout quoi. C'est-à-dire que quand il fait chaud, la grange reste fraîche. Et là ce matin il fait 15 degrés, donc plutôt froid. Et il doit faire une vingtaine de degrés dans la grange, quoi. Donc, peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais il fait bon, quoi. Voilà, bientôt la fin de la toiture et la suite. Hein.